Good morning, allez, et messieurs, sur aujourd'hui le Lunchmat, Dov Ben Yudit, Eviatar Amram Ben Chedvach, et Esther Bat Myriam, et Tzret Perez Ben Fortuna. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechet Shabbat Perektet Mishnah Zain, Amotzi Kupat HaRochlin, Afalpi Sheyesh Ba Minin Harbe, Enochaya Velachatatichat. Zerone Gina Pachot Mikagrogeret, Rabbi Yuda Ben Betera Omer, Chamisha. Zera Kishuim, Shnaim. Zera Dluim, Shnaim. Zera Pola Mitzri, Shnaim. Chagav Chai Tahor, Kolshu. Met, Kagrogeret. Tsiporet Kramim, Ben Chaya, Ben Meta, Kolshu, Shematsni, Nota Lirfua. Rabbi Yuda Omer, Af Hamotzi Chagav Chai, Tame, Kolshu. Shematsni, Noto, Lekatan, Nesachek, Bo. On continue à découvrir de nouveau d'autres produits, d'autres choses, la quantité requise dans toutes sortes de produits pour transgresser l'interdit de porter un Shabbat, c'est-à-dire porter un Shabbat dans la voie publique, transporter quelque chose de la maison, le sortir dehors, marcher 4 amot dans le Chut Rabim, on aura l'occasion de découvrir plus tard, bientôt maintenant, dans les détails, quand est-ce qu'on transgresse l'interdit de Hotsaa. Mais il faut, dans ce qu'on transporte, il faut une quantité conséquente, importante, qu'il soit d'usage de conserver la même chose ailleurs, de manière générale, pas une quantité négligeable, mais une quantité qu'on veille à bien la préserver, et bien si on transporte cette quantité-là pendant Shabbat sur la République, on transgressera l'interdit de Hotsaa. Et donc on découvre maintenant des nouvelles espèces, Hamotzi Kupat Haruchlim, celui qui va sortir une Kupat Haruchlim. Kupat Haruchlim, c'est les colporteurs qui vendaient, c'était des marchands ambulants, ils avaient ils vendaient en fait des tarchite nashim, c'est écrit dans la Gemara. Ils vendaient des bijoux, ils vendaient des parfums pour les femmes. Donc ils allaient les vendre sur place. Ils se promenaient avec. Et ils avaient une kupa, ils avaient une petite boîte où dedans il y avait toutes sortes, plusieurs sortes, plusieurs espèces de parfums, de plantes bonnes odorantes, je ne sais pas exactement. Donc ça, c'est la kupa tarochlim. La Mishnah vient m'enseigner un grand chidouche qui me dit. Un grand chidouche qu'il va falloir expliquer, mais. Bien qu'il y ait dans cette boîte beaucoup d'espèces, et entre parenthèses, donc chaque espèce elle est apte à être considérée comme un seul, comme un interdit indépendant, malgré tout, il ne sera malgré tout chayav qu'un seul korban khatat. C'est-à-dire en fait la Mishnah m'enseigne. Quand tu transportes plusieurs espèces, mais qui entrent toutes dans le cadre d'une même définition, qui sont des parfums finalement, même si c'est plusieurs espèces de parfums, ça s'appelle que tu as fait une seule action de transporter à Shabbat, transporter quelque chose de gros, mais c'était une seule chose, et donc tu n'es passible que d'un seul korban khatat. À déduire de là qu'en fait, il y a une grande difficulté dans cette Mishnah, à déduire de là que si j'avais transporté dans ma boîte du parfum et un stylo qui était dans la même boîte, alors je transgressais deux fois l'interdit. Comme ça, il faut me déduire de la Mishnah, que toute la raison pourquoi tous les parfums sont considérés comme une seule espèce, parce que c'est tout ça, c'est une seule même. Il y a un dénominateur commun entre tous, que ce sont des espèces bon odorantes. Alors, on déduit de là que je transgresserai, que si je transporte donc cette boîte avec, je mettrai dedans du parfum et un stylo, je transgresserai deux interdits. Or, c'est faux, parce que si tu parles de korban khatat, c'est que je suis shogeg, je fais par inadvertance. Dans ce cas-là, tant que c'est la même melacha, alors on a appris, je transgresse le même. Je suis passible d'un seul korban khatat. D'accord? Parce que c'est une seule melacha. Tant que je n'ai pas eu pris conscience. Et sur ça, tous ceux qui répondent, une réponse un petit peu originale, qui en fait, le chidouche, il est comme ça. Il est que lorsque je transgresse, si j'ai porté deux fois à Shabbat, j'ai porté un stylo à 8h du matin et un autre stylo à 10h du matin. Et qu'après j'ai réalisé mon erreur, j'ai fait tchouva et j'ai apporté un korban, en pensant qu'au stylo de 10 heures, j'ai oublié l'histoire de 8 heures. Et j'apporte le korban, et bien j'aurais pas fait la kapara pour le stylo de 8 heures. Parce qu'il faut au moins avoir pris conscience au moment où je vais faire le korban, du nombre de toute ma vera à faire. Or là, il y a eu deux actions distinctes. À la différence, si j'ai transporté une boîte où il y avait justement toutes les espèces de ce colporteur là, de ce marchand ambulant, que tout est considéré comme une seule chose, et bien à partir du moment où tu as fait tchouva et tu as apporté un korban sur le fait que tu es transporté, même si tu n'as pas fait attention qu'il y avait 5 parfums, tu as juste pensé qu'il y avait 2 parfums, malgré tout,
puisque c'est considéré comme une seule action de transporter, parce que ça entre dans le cadre d'un seul, d'une seule cause, eh bien, dans ce cas-là, tu auras quitté ta vera. D'accord? Comme ça, c'est expliqué dans Tosfot. On continue. Zeronegina. Zeronegina, ce sont des graines que l'on plante dans un potager. Pachot mi kagrogeret. La quantité requise, cette fois-ci, elle est moins qu'une grogeret. C'est-à-dire, lorsque je veux manger quelque chose, tous les aliments sont calculés sur une grogeret, une taille d'une figue. Tandis que là, quand on parle de graines pour planter, alors, c'est pas la peine de sortir une quantité suffisante pour nourrir de manière agréable, parce que le but de ces graines, c'est pas de nourrir, mais c'est d'être planté. Donc, on va les calculer autrement. D'accord? Et maintenant, c'est un peu étonnant, parce que Tanakama, ils n'ont pas tellement expliqué est-ce qu'il y a une marloquette sur ça. C'est-à-dire, Tanakama, il n'a pas précisé quelle quantité. Il a dit moins qu'une groguerette. Alors, combien? Le tiers d'une groguerette? La moitié? C'est pas précisé. Sur ça, vient Rabbi Yehuda ben Betera, Omer, Chamisha. Rabbi Yehuda ben Betera, il nous dit 5. Il faut sortir 5 graines. Dès que tu vas sortir 5 graines, tu as déjà fait quelque chose d'important. 5 graines, c'est le minimum qu'on va garder pour les planter, pour en faire un petit pot assez conséquent. D'accord? Maintenant, on continue avec Zera Kishuim, des graines de courgettes Shnaim. Il faut en sortir 2, c'est-à-dire bien qu'en général, pour toutes les graines, alors on t'a dit d'en prendre 5, mais c'est que parce que ce sont des petites choses, ça va faire sortir des petites plantes. À la différence que si tu as planté des courgettes, je ne sais pas comment le traduire exactement cette fois-ci, parce que la courgette, elle est plutôt petite. En tout cas, peut-être qu'on parle de la courge, eh bien, il en faudra 2. Sortir de graines, c'est une plante déjà assez conséquente, plus importante. Zera d'Elohim, aussi idem aussi pour le Zera, les graines de citrouille, Shnaim, aussi en sortir 2, on transgresse déjà l'interdit pour qu'on en sorte 2 parce que c'est déjà conséquent, étant donné que ça fait une plante un peu importante. Zera Pola Mitzri, alors là, pas de bol, je ne sais pas ce que c'est. C'est une espèce, on l'utilise plusieurs fois, mais du pasli en arabe, ou bien en yiddish si ça vous intéresse, c'est du gurkenzat. Je peux rien en faire, ça m'aide pas beaucoup. Donc on a du polamitri, c'est une plante, c'est un légume, et de nouveau, apparemment c'est un légume assez conséquent, où on transgresse l'interdit si on sort de graines, d'accord? On a fini maintenant avec les graines, et on passe à un autre sujet qui sont chagav, ouais, ouais, ouais. Je suis fatigué, désolé, il est 2h du matin en ce moment. Chagav chay tahor, une sauterelle vivante qui est pure, donc consommable. La Mishnah me dit kol shehu. Si elle est vivante, alors même si elle est toute petite, tu transgresses l'interdit. Même si elle est toute petite, pourquoi? L'usage est de la garder. On a déjà dit qu'à l'époque, eh ben, les enfants jouaient avec toutes sortes d'insectes, d'accord? Alors, en l'occurrence avec les sauterelles. Donc du coup, c'est une bonne chose pour jouer pour les enfants. Si on en a un, on trouve une sauterelle, on la donne à l'enfant, et l'enfant il va s'amuser avec. Ça me rappelle le petit gosse, quand j'étais petit, il s'amusait à ramasser les scarabées, et puis moi j'avais peur, il me les apportait devant moi. D'accord? Il y a des gosses comme ça qui aiment jouer avec les sauterelles, avec les scarabées. Donc voilà, on le garde, à l'époque on gardait la sauterelle pour jouer avec, pour les enfants. Donc du coup, même s'il est tout petit, il n'y a pas de quoi manger. Par contre, s'il est mort, alors là, la quantité, c'est groguerette, parce que cette fois-ci, c'est inconsommable. De là, on déduit, il y a tout ça qui parle de ça, qu'il ne faut pas faire la shkrita des sauterelles. Bon, Hachem, les sauterelles, c'est mangeable. En général, il y a des simanim, on en parle longuement dans Choulin. Quels sont les simanim, les signes, pour différencier les sauterelles pures, des pures la consommation, ou impures. Et donc, maintenant, la Mishnah m'enseigne, sache que les sauterelles, eh bien, si elles sont mortes, si elle est morte, la sauterelle, donc sa fonction maintenant, c'est plus de jouer avec pour les enfants, ce n'est que de la manger. Elle l'a mangée, alors là, il fait une quantité d'une groguerette, une figue, de nouveau, quelques-unes, quoi. Tziporet kramim, là, cette fois-ci, on parle d'un petit oiseau, très petit, qui traîne dans les vignes. Ben chaya, ben meta, kol shehu, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, alors kol shehu, même une quantité toute petite. J'ai un petit problème, parce que je vous dis que c'est pas de kramim. Bartenoy, il nous dit que c'est un off, mais seulement il y a un problème, que si le off il est mort, alors il n'y a pas de raison que ce soit comme chez vous. Une seconde, je crois que j'avais déjà vu une fois, je m'étais posé la question, j'avais vu que c'était une sauterelle ça aussi. Non, min tzipor, c'est rapporté.
Ah, c'est discuté exactement. Ken Pirash Rav, Aval, Kefi, Shochichu, Be, Tosfot Hadashim, ça y est, Tosfot Hadashim, qui explique que si pour être Kremim, on parle que c'est pas un oiseau, parce que si, je vous explique le problème. Le problème, il est comme ça. La Mishnah me dit, bon, s'il est vivant, ça peut être un jouet pour les enfants, c'est extra, même si c'est tout petit. Mais s'il est mort, qu'est-ce qu'on fait avec un oiseau mort ou avec une sauterelle mort? Donc ça se mange. Maintenant, pour que ça se mange, alors il faut une quantité qui nourrit. Parce que sortir une petite sauterelle, ça va pas. C'est pas assez nourrissant. Donc du coup, il faut une quantité plus grande. Donc il faut plusieurs sauterelles. De quoi faire une quantité de gros guérettes. Quelque chose que si je le mange, je le sens dans la bouche, c'est agréable. Et donc dans ce cas-là, j'ai une quantité agréable. Maintenant, du coup, quand on parle de Tsiporet Kramim, Tsiporet Kramim, alors c'est un petit oiseau. Et la Mishnah me dit, tu sais, mais qu'il soit vivant, qu'il soit mort, colle chez vous. Un tout petit peu. Et la raison, d'abord, je vais essayer de vous le dire, ça rapporte dans le Barthénora, parce que lorsqu'il est mort, on le mange quand même. Et on le mange, pourquoi? Pas pour le plaisir du goût, mais parce que c'est un médicament, ça guérit. Concrètement, la Gemara donne le procédé, c'est un oiseau qui permet d'accroître la mémoire de manière phénoménale. Il y a toute une technique, comment on fait avec. Là n'est pas notre problème, de toute façon, on aura du mal à le mettre en pratique, mais faut savoir c'est quoi comme oiseau ou comme sauterelle. Mais en tout cas, donc la Mishnah me dit, puisque tu peux le manger pour l'irfoua, et que même colché ou même un tout petit peu, ça aide, donc on le garde précieusement, même un petit peu, c'est pour ça qu'on n'en a rien interdit. Voilà, ça c'est ce qu'il y a écrit. Maintenant, la question elle se pose comme ça, elle me dit, mais alors quoi? S'il est mort, on n'a pas fait la shrita. Si c'est un oiseau, il faut lui faire la shrita pour le manger, t'as pas le droit de le manger tel quel. Même si c'est pour se guérir, c'est pas picor nefesh. Tu vas pas mourir si tu vas pas avoir un zikaron, une mémoire phénoménale. Ça, on n'a pas de... c'est pas permis. Alors comment c'est possible que tu me permets de... Quand chez où tu me dis qu'on le garde pour faire ce remède-là, sur ça, suite à ça, le Tosot Hadashim, ils vont expliquer que c'est un chagav, que c'est aussi une sauterelle, d'accord? Shemassin Antolir Foi. La Mishnah l'a dit, Shemassin Antolir Foi. On le garde pour s'en guérir, donc il faut expliquer que c'est une sauterelle. Comme ça, c'est expliqué, et Bartonor, malgré tout, il explique que c'est un petit oiseau, peut-être qu'il pense que c'est vital, je ne sais pas comment répondre cette question. Et je continue maintenant. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il pose la question. Rabbi Yehuda, il pense. Afamotsi Chagav Chai Tamé, même celui qui va sortir une sauterelle vivante, mais qui est d'une espèce impure, qui est impropre à la consommation, malgré tout, elle est kolchehu. Elle est une quantité toute petite. Pourquoi? Chez Matsin, entre les katan et les srogbo, car on la met de côté pour que, on la cache, on la préserve, pour la donner aux petits pour qu'ils jouent avec. C'est-à-dire, en fait, on a une marloquette. Au début, il y avait marqué Chagav Chai Taor, une marloquette. Qu'est-ce qu'on fait avec une sauterelle qui est sauterelle propre à la consommation? Si elle est toute petite, on la garde pour les enfants pour qu'ils jouent avec. Mais si la sauterelle, elle est d'une espèce impure, est-ce qu'on la donne à manger? Est-ce qu'on la donne aux enfants pour jouer? Quelle est la crainte? Que l'enfant, il va jouer avec elle, et puis à la fin, il va en avoir, il va la manger. Donc, du coup, alors Rabbi Yonah, il lui dit, c'est pas grave, on la laisse quand même pour les enfants pour qu'ils jouent. Et Chachamim, ils lui disent, non, on la lui laisse pas. De peur que l'enfant va se mettre à la manger et qu'il va transgresser l'interdit de manger des ma'achalot à sourout. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha comme tout cela.